Bonjour, bienvenue sur ce live Euro Truck Simulator 2. T'es pas obligé de te figer dans le temps, hein, t'as le droit de dire bonjour. Bonjour. Voilà. Je suis en compagnie de Angels Marie qui voulait fuir, mais que j'ai retenu. Oui, parce que c'est bizarre. Voilà. Ah, tout de suite. Tu sais, c'est comme me parler. Non, mais je préfère te regarder et me moquer toi que te parler. Ah, oh, quoique maintenant je peux regarder le stream et me moquer en direct. Ah, c'est pas mal en fait. Ça y est, c'est tu, cool. Tu as découvert le secret de tout le monde en fait. Tout le monde fait ça. Non, en vrai, j'hésite à jouer, mais je crois que je vais bientôt manger. Et surtout, je sais pas à quelle heure il est censé arriver, Chad. Parce qu'il m'a dit j'arrive en début d'après-midi. Mais il t'a pas dit il était pas au ski? Non, il est rentré le 30. Ah ouais? D'accord. Il est rentré hier. Oh, du coup, il va y avoir une réunion d'amoureux, c'est mignon. Je sais que t'as rougi quand j'ai dit ça. Non, c'est surtout qu'en plus, ce soir, on sort, on va fêter chez un pote, on est là et tout. C'est tellement facile en plus. Bon, du coup, je lance une petite arabe. Au pire, ça sera rapide. Vas-y, vas-y, fais ça. Quoi que je sais. Merde, non, ouais. T'as pas le droit de tourner. Je t'emmerde, voilà. Je roule dans l'herbe et j'en ai rien à foutre. Je suis passé devant toi. Voilà. T'as combien de découvertes là? Je peux pas suivre le stream du coup en même temps, mais. Non, je suis pas à découvert. Je suis à 37 000 euros. Tu te souviens le. Non, je suis remonté. T'as pas oublié le mois devant? Je suis remonté pour de vrai. Oh. T'as joué combien de temps pour remonter autant? Une heure et demie, je crois. Ah oui. Ça remonte vite si tu conduis plus ou moins bien, ce qui n'est que rarement mon cas, mais. Ouais. Oui, comment la dernière fois je t'ai vu doubler sur la bande d'arrêt d'urgence parce qu'il y avait quelqu'un sur la droite? Oui, bah excuse-moi, hein, mais quand tu dépasses 2 km/h de plus que l'autre qui est sur la voie de droite, ouais, c'est bon. Hein. J'ai pas l'intention d'attendre 10 ans que le jeu il soit en mode « Attends, tu ne peux pas dépasser. Attends. » Moi, je pense que si j'avais ce jeu-là, genre, je m'amuserais pendant une heure, tu sais, à conduire bien et tout, puis au bout d'un moment, je vais faire « Fuck it !» et puis... C'est ce que fait tout le monde en fait sur ce jeu, c'est littéralement toutes les vidéos que j'ai trouvées sur ce jeu, c'est des mecs qui roulent à 300 à l'heure sur l'autoroute. Du coup, moi je me suis fait une règle de rester en mode simulation. Et après, j'ai vite découvert de toute façon sur ce jeu que rouler à 200 km/h, bah ça marche pas de toute façon, hein. C'est de la simulation, tu contrôles plus ton camion à 200 à l'heure. Laisse tomber. Oui. T'as, c'est comme le jeu à la Farming Simulator, genre apparemment tu coupes le blé à vitesse réelle avec ton engin, je t'envoie que putain ça doit être lourd. Je sais pas, après tout ce qui est simulator en général j'aime pas, mais Euro Truck je sais pas pourquoi je suis... J'aime beaucoup simplement parce que c'est le fait que tu voyages. Farming j'aimerais pas spécialement parce que t'es toujours dans ta ferme en fait. Ouais. C'est chiant. Ouais, mais peut-être que tu as des animaux sauvages, genre comme la dernière fois j'ai manqué un lapin et la biche, j'ai déçu. Oui, il y avait un lapin sur la route d'ailleurs, c'est en 130 vidéos de ce jeu, c'est la première fois que je vois ça. Voilà. Putain. Genre, si tu veux, en plus c'est le seul moment, genre j'ai que regardé le stream, je me dis bon, bon, je vais continuer que d'un peu, je fais un petit altab, genre je fais quoi, et là j'entends oh, un lapin et une biche, je refais altab, c'est trop tard. C'est pour ça qu'il faut regarder sur YouTube, tu peux revenir en arrière. Ouais, je sais, non, j'étais pas sur YouTube, j'étais sur Twitch. T'étais sur ouais. Twitch. T'as fait l'erreur d'être sur Twitch. Ça va, maintenant je suis venu sur YouTube. En plus, je voulais me perturber et tout, tu vois, genre en ayant, parce que j'étais pseudo différent, tu vois. Ouais. Du coup, je voulais arriver, tu vois, t'es perturbé et tout, en mode, il sait qui c'est. Ça fait que t'as reconnu mon humour. Oui, j'ai reconnu ton humour, ta façon de parler, ta façon d'écrire. C'est quoi? Non, je vais pas te dépasser à 70, enculé. Je vais te dépasser à 110 km/h. Il y a un mec genre dans ma game qui s'appelle Elon Musquito. Elon Musquito. Musquito comme dans un beau fils. Oui, non, mais Elon Musk, je sais qui c'est aussi. C'est... Oui, voilà, mais c'est pour ça que j'ai trouvé que le mot était très drôle. Et du coup, je me suis dit, c'est bien de partager. C'est. En même temps, le niveau est déjà tombé au plus bas sur cette chaîne, donc. C'est vrai, je te montre un jour, genre, on a pris un screen tellement que, en fait, tu vois, les noms des gens étaient tellement what the fuck qu'on a pris un screen, genre, un ami qui s'appelait, comment il s'appelait? C'est un violeur de chèvres.
C'est charmant. Voilà, il y avait un qui s'appelait le Nec qui pue, et il y en avait un qui... Le nom de team, c'est ce que tu peux avoir des teams, et en gros, le nom de team, c'était écrit FN supérieur à partie sociale. Mon dieu. Voilà. Du coup, on était là, on faisait l'arrivée en game, bon, bah ça, on était là, bon, on va se tomber contre des bons cas. Mon dieu. C'est quoi ces gens? Ah, non, c'est vrai que j'ai un skin. J'ai réussi à rattraper mon découvert, je suis content. Et là, je suis en train de rouler au rythme des musiques de Final Fantasy X. Mais moi, je pensais que ça, c'était la musique du jeu, en fait, à l'origine. Non, genre, enfin, quand j'écoutais. C'est juste mon lecteur, en fait, qui joue les musiques que j'ai sur mon PC, que j'ai toutes payées absolument légalement, hein, évidemment. Attends, j'ai tous les CD, j'ai toutes les boîtes. C'est logique. J'ai pas du tout téléchargé ça. J'oserais pas. Ce serait illégal. Ouais. Bien sûr. Je te sens convaincu. Dubitatif. Mmh. Convaincu, c'est bien ce que je dis. Oui. Mais c'était plus le mot que j'avais en tête. Alors il fallait pas faire surfer mes pensées. Et sinon, tu t'en sors dans ton aram? Oui, totalement. Genre, on a failli avoir un premier sang. C'est vrai, tu veux, je joue Blitz. Je sais pas si tu vois le personnage. Genre, il grappe les gens. Oui, je vois, oui. Non, je suis nul. Je suis de merde. League of Legends, en fait, ça me fait penser un petit peu à Heroes of the Storm, même matchmaking foireux. On a gagné, on a eu le premier sang. Même matchmaking foireux, même game en mode soit on leur roule dessus, soit tu te fais rouler dessus. Très rarement des games équilibrés. J'ai failli tuer LOL Mosquito, sauf que ma team a pas suivi. C'était très triste. Arrête d'accuser ta team. Mais non, mais je joue un support. Je ne peux pas gagner toute seule. Arrête d'accuser ta team. Tout le monde dit que c'est un rôle ingrat, mais c'est cool. Et non, je ne dis pas ça parce que je suis une fille e-girl. C'est fou. Tu sais, Emin sur Overwatch, c'est des healers, hein, donc... Non, mais je dis ça avec ironie parce que chaque fois, en général, dès que tu joues à un jeu vidéo, t'as les mecs qui sont en mode « du coup, tu joues support !» C'est les mots qui coulent. Tu sais, j'ai eu droit au cliché en mode « Oh, t'as 230 heures sur Ange, t'es une fille en fait !» Non. J'aime bien garder une team en vie en fait. C'est l'idée, hein. Parce qu'en général, s'il n'y a pas de Ange ou de healer tout court dans l'équipe, on survit pas longtemps, bizarrement. Abruti. Oui, je viens de donner un double kill à ma team. Mais en plus, je suis trop stylé, genre j'ai pas fait beaucoup, genre j'ai dû faire aller à tout péter 4 parties de Overwatch, voire 5. Et genre, y a que Ange que j'ai joué, c'est vraiment trop stylé, mais genre ils ont changé un peu avec l'ulti et tout. Oui, ils l'ont complètement nerfé à mort, ouais. C'est merveilleux. Bah, carrément. Ah oui, non, maintenant, il faut presque 5 secondes pour rester quelqu'un, c'est hallucinant de conneries. C'est trop stylé. Non, j'ai chié. Faut presque 5 secondes pour reste quelqu'un et du coup tu peux te faire tuer pendant que tu restes et si tu te fais tuer t'as quand même un cooldown de 30 secondes, c'est... C'est cheaté, hein. C'est débile. Même... Maintenant tu peux voler. Par contre j'ai pas trop d'intérêt parce que je suis pêchunier en FPS donc... Bah, c'est-à-dire que tu peux voler, ok très bien, c'est cool, tu peux voler genre... T'as un Genji qui est sur ta gueule en ulti, t'es en mode ok j'active mon ulti et je m'envole, tu peux plus rien faire Genji, là tu entends, tu es dans ma ligne de mire, merci. Voilà, je suis mort. Youpi. Genji c'est quoi, c'est un sniper? Non, Genji c'est le ninja à la con qui te suit partout. Ah oui, ok je vois lequel. Ouais c'est ninja à la con qui est toujours collé à ton cul quand tu joues en healer. Oh il est... Si je dis qu'il est mauvais, est-ce que je parais rageuse ou pas? Non mais... Tu peux dire qu'il est mauvais, de toute façon on voit pas ta game donc... D'accord, donc en vrai c'est cool du coup je peux insulter, dire que c'est la faute de mes alliés et pas moi et du coup j'en dirai pas. Oui, non, bah oui parce que de toute façon tout ce que les gens y voient c'est moi qui conduis un camion donc... Oui. Tiens, prends ça. Non, t'as vraiment une voix qui ressemble à celle d'Améthyste, c'est assez hallucinant quoi. Maintenant, ce que je me demande, c'est si tu lui ressembles physiquement. Je ne sais pas du tout à quoi ressemble, donc je peux pas te dire. Je sais pas du tout non plus à quoi tu ressembles, donc je saurais pas te dire non plus. Tu sais que mon père avait déjà cru, je sais pas si tu vois Chelsea et Skyheart. Ouais. Ben, je sais qu'une fois on avait écouté une vidéo de Chelsea, genre en haut-parleur, et genre mon père avait cru que Chelsea c'était moi. Oh.
T'as des voix de célébrité en fait. C'est ça. Attention, en fait, je t'ai pas dit, je suis. Non, je suis une merde. Tu m'avais pas dit ça, effectivement. Je t'avoue. De quoi? Non, je t'avais pas dit que non, je suis une merde. Non, tu m'avais pas dit, je t'avoue. C'est un peu violent. Je veux dire, ménage-toi un peu. Non, mais c'est parce que j'ai chié, genre. Vraiment de ouf. J'ai joué un personnage, ben, genre je grab et tout, et j'ai pas réussi mon grab alors qu'il était tellement évident et tout, voilà. On est quel jour aujourd'hui, dimanche? Ouais. Il y a personne de cool sur le Discord, quoi. Personne d'écho sur le Discord, c'est horrible. Les gens ont des vies, quoi. Oh là. C'est quoi ça? Je le connais pas. Oui, pour les pauvres couillons qui se seraient perdus sur le live, oui, ces derniers temps, j'ai envie de faire du Euro Truck, donc je fais du Euro Truck, point. Oui, d'ailleurs, la dernière fois, j'étais vers parce que c'était marqué en mode conduite alors que tu jouais StarCraft, c'est pour ça que je te demandais à quel jeu tu jouais. Oui, j'ai un peu oublié de changer les infos du live, mais c'est pas grave. De toute façon, après, je supprime les rediffs et puis je mets tout... Attends, 30 secondes. Ok. Allô? Oui. D'accord, mais j'ai toujours pas mangé. Donc voilà. Ouais, mais on partira pas direct. Hein. Je suis pas prête du tout. Tout de suite. Bisous. Pardonnez-moi, je n'ai pas eu le temps de mettre mute vu que je suis en plein écran. Il y a pas de souci. Sinon, moi j'ai mis une touche pour faire mute sur Discord. Ça marche aussi. Ah bon? Oui. Il faudrait que je regarde alors. Oui, tu peux mettre la... Moi j'ai mis la touche dollar personnellement, parce que c'est une touche que tu utilises jamais dans aucun jeu. Véridique. Non. Si. J'ai fait un flash crab et c'était merdique. Bon, du coup, il faut que je paye le voyage jusqu'à où, là? Ça va où, ce foutu bateau? Ça va à Gdynia. Gdynia. Ok, d'accord. À Gdynia. Bon. On va à Gdynia. Très beau nom de ville. Hein. Ça ressemble à un nom russe, hein. Moi je dis ça. Juge pas, hein, parce qu'après sinon on va se faire engueuler. C'est les mecs, les habitants qui regardent le live qui vont dire putain, ils se foutent de la gueule de notre ville et tout. On a déjà parlé de juifs, de nazis, de petits fours hein, sur les lives Eurotrog. Hein. Oh. On n'a aucun respect pour aucune communauté sur ces lives. Bon, moi tout le monde en prend pour ça en son grade. Hein. Ouais, c'est ça. Ah, tout le monde en a déjà pris. Hein. Ah, tu dois avoir des trolls du coup en mode tu parles de ceci, de l'univers. Tu dois avoir des gens qui rêvent. Hein. Sérieux? Même pour les gens, ils ont abandonné l'idée. Ah, tu sais quoi? Je sais absolument pas comment sortir de cette zone à la con. Donc, tout ce que je vais faire, c'est appeler l'assistance. De toute façon, j'ai 15% de dégâts sur mon camion, donc il faut que je le répare. Dans tous les cas, donc. Voilà. Réparation. Voilà, ça me coûte 13 000 euros. On va pas risquer rien, putain. En vrai, je me sens plutôt fier parce que j'arrive à réussir des beaux grabs. Et donc, du coup, ma team elle gagne un peu grâce à ça. Ça va? Tu. Les chevilles? Tu passes encore les portes? Ou. Je demande. Ouais, ça va. T'es sûr? Oui, j'ai mon premier kill. Je peux agrandir les portes si tu veux, y'a pas de soucis. Ah, ce serait cool, ouais, effectivement, parce que c'était un peu serré quand même. T'as passé, ouais. Mais tu vois, mais je me sentais pas très à l'aise. D'ailleurs, un truc qui est marrant dans ce jeu, je veux dire, Road Truck Simulator 2, hein, ce qui est marrant, c'est le fétichisme des développeurs pour les filles en jupe. C'est hallucinant. Toutes les piétonnes ont des jupes. Je sais pas ce que c'était le truc des devs, mais. Alors, je dis pas, oui, moi aussi j'aime bien les filles en jupe. C'est joli les jupes, hein, mais en vrai, les filles ne portent pas toutes des jupes. Enfin, je crois pas. Effectivement. Non, je t'assure. Il y en a qui aiment pas les jupes parce que c'est chiant les jupes. Parce que quand tu portes des jupes, il faut te raser les jambes, c'est chiant. Ouh, alors tu mets des collants. Ouais, c'est chiant les collants. On voit que t'as jamais passé une journée avec des collants, c'est hyper relou. Quand j'étais gamin, en fait, j'avais des collants pour hommes. Je sais plus comment ça s'appelait. Oui, ça s'appelait des collants, en fait. C'est un truc que tu mettais sous le pantalon, j'avais ça toute la journée, et Non! Ouais, c'était des sortes de trucs pour tenir chaud là en hiver. Ouais, c'est ça. Ouais, je vois le style que c'est. Oh, on est en train de perdre.
Bon, au moins ça va, ça veut dire que j'aurai le temps de manger et... C'est bien, elle voit toujours le bon côté des choses. On est en train de se faire péter la gueule! Bon, au moins j'aurai le temps de manger un coup. Ah, c'est plat, c'est plus cool. Mais qu'est-ce que tu fous? Mais qu'est-ce qu'elle a foutu? Je ne dirai rien. Je vais garder mon calme. Inspire, expire. Et du coup, tu auras peut-être la chance d'entendre la voix de Shell tout à l'heure. Mmh. Parce qu'il arrive, parce que c'est lui qui m'a appelé, qui arrive dans 20 minutes. Mmh. Si c'est pas merveilleux. T'as vu? Tu pourras entendre la voix de ton dôme. Sur leur RP, hein. Oh, je suis trop fier de moi. Je précise avant qu'il y ait des gens qui s'imaginent des choses. Ah oui. En même temps, les gens peuvent bien s'imaginer des choses, ils connaissent mon orientation sexuelle. Ça ne change rien, l'orientation sexuelle. Je suis bisexuel. Ah oui, d'accord, oui. Mais non, ce n'est pas son homme, c'est le noir, mais voilà. Du coup, elle se sent obligée de corriger en mode « Non, non, c'est à moi, pas touche !» Voilà, faut que je précise, je marque mon territoire un peu, tu vois. Non, je suis pas jalouse. Pour marquer le territoire, c'est pas pisser dessus. Non, faire un chuchon, ça marche bien. Mon ancienne copine, elle me faisait des suçons et je détestais ça, c'était chiant. Pourquoi? Parce que il y a toujours des gens qui étaient en mode t'as une copine qui t'a fait un 600. Mais non, connard, c'est mon chien qui m'a mordu, tiens. Bah oui, c'est elle. Arrête de dire des. Arrête d'être con. On peut pas demander à tout le monde d'être intelligent. C'est ça. Bah ta copine t'a fait un 600. Non, non, c'est mon chien qui s'est dit qu'il allait me sucer la queue, connard. Non, sérieux. Bien sûr que c'est ma copine qui m'a fait un 600, c'est pas ma mère. Débile. Puis après, elle m'a trompé, puis je l'ai quitté. Voilà. Triste histoire. Bouf. Toutes tes salopes. C'est une fille qui dit ça. J'ai eu quasiment que des salopes dans ma vie en fait. Véridique. Toutes mes copines, ça a été quasiment toutes des salopes. Par contre, tous mes copains, ils ont tous été sympas. Ah. Du coup, je sais pas. Moi, je suis pas une salope. En même temps, je suis pas avec toi donc. Oui. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, mais je suis l'exception qui confirme la règle, c'est pour ça. Je fais toujours une exception. Puis après, j'en ai pas la preuve que t'es pas une salope, hein. Eh, ça a coupé. J'ai dit, j'en ai pas la preuve que t'es pas une salope. Ah. Eh ben, tant pis. Ma parole doit suffire. Bah, non. Non. Ah. Non. Bah, je me sentais assez importante pour dire ça et que ça paraisse badass. En fait, non. Eh ben, non. En même temps, important, tu as juste le rôle de membre hein, sur ce Discord, donc... Ah non! Je parlais importante. J'ai réfléchi. Dans ma game, voilà. Mais t'es pas dans ma game. Fallait que je sorte un truc blast. T'es pas un peu en train de t'enfoncer, là? Si, mais je fais toujours ça, genre quand j'ai un truc merdique. Je suis un peu con, en fait. Moi, je dis rien, hein, c'est toi qui dis, là. Ah, mais oui, mais non. J'assume tout seulement. Moi, je me voile pas la face, hein. Je suis jamais déçu. Genre, quand quelqu'un va me dire t'es nul, je vais faire ouais, ok, d'accord. Ce qui est génial, c'est que tout ça, c'est enregistré. Ah, j'ai su ça. Ah oui, les lives sont rediffusés sur YouTube, hein. Y a pas de suppression automatique comme sur Twitch, hein. Laisse tomber. Non, non. Celle-là, c'est. De quoi? J'ai dit les lives sont enregistrés sur YouTube aussi, hein. Et là, y a pas de suppression automatique comme sur Twitch. Ah bon? Ben non. C'est pas grave, tout le monde pourra voir que j'assume qui je suis. Voilà, c'est beau. D'ailleurs, du coup, ça se passe bien ta conduite? Genre, t'as perdu beaucoup de sous encore ou pas encore? Bah là, j'ai perdu 10 000 euros à réparer mon camion, mais c'est normal, ça faisait un moment que je devais le réparer, mais autrement, non, ça va. Heureux. Heureux. Il y a un bruit de voiture derrière, pas de voiture, mais genre. Un volant. Bah ouais, volant. Bah oui, c'est ce que j'ai dit. Le retour. Oh! Ah, oh, ça va, c'est à 1000 km. Quoi? Ah putain! Ok, je me casse. Pourquoi tu t'en vas? Non, non, je parlais. Genre, dans mon jeu. Genre,
Si je suis arrivé, j'ai fait j'arrive, je suis badass. Et puis je suis reparti en mode en fait, non. Au revoir. Non, je suis pas en fait. Me tuez pas, s'il vous plaît. Espèce de lâche. Non, mais c'était juste une retraite stratégique. Et au final, je suis quand même morte. Retraite stratégique, un autre terme pour dire lâche. Ouais, en vrai, il joue bien les ennemis. Genre, il y a un Gragas en face, il joue bien, mais genre, il passe bien ses ennemis. Donc, c'est un peu chaud. Joue bien. Ça va, ils ont placé des bons moves et bon, j'ai une Tristana qui sert un peu à rien parce qu'elle fonce dans le tas, sauf qu'elle s'est one shot. Pourtant, Tristana elle est pas mal. Elle est fort normalement, mais quand c'est joué quoi. Non, je dirais, moi mon perso c'est Harry. Hein, donc bon. Oh, Harry c'est stylé, c'est quand même du skill, tu vois. Genre, faut faire attention, faut placer les bisous. Sinon... Ah non, mais j'ai jamais dit que je la jouais bien, hein. J'ai juste que c'est mon perso, mais je meurs en permanence. Mais voilà, c'est mon perso. D'accord. Ah, parce que moi j'aime beaucoup jouer Harry, genre pour un moment donné c'était Harry que je jouais one shot. Bon, j'arrête d'essayer de bouffer des manteaux sans conduire. Mais non, mais c'est elle qu'il faut focus, les gens, attaquez-la! Et s'ils ont pas envie? Non, mais en fait, si tu veux, genre, vraiment, faut avoir des focus dans le jeu, parce que sinon, si tu te mets à attaquer le Garen qui se régène 50 PV par seconde, alors que tu lui fais du 15 PV, c'est pas, tu lui enlèves du 15, c'est débile. J'avoue. Allez, oui! Oui, oui. Oui! Bon, ils sont tous défoncés maintenant, mais. Avec son petit chapeau jaune et rouge. Ah, je suis toute seule! Oui, ah, oui. Je suis toute seule pour défendre. C'est à toi quand on vient la tâche. C'est ça, c'est par où la PLS, s'il vous plaît? C'est par le sol, tu te couches. D'accord. Ouais, bah, y a pas vraiment de place au sol. Mais alors? T'es censé pouvoir te mettre en PLS dans tous les sols. Mais c'est limité à 140 km. Non, attendez, non. Attendez. Vos routes nationales sont limitées à 60, mais vos autoroutes à 140, vous savez, avoir un juste milieu dans votre pays à la con. Le mieux, ça doit être de rouler en Allemagne, parce qu'en Allemagne, il n'y a pas de limitation de vitesse. Non, il y en a maintenant. Ah bon? Il y en a maintenant, oui, et ils ont eu trop d'accidents mortels. Ils ont été obligés. Ah bon? Bah oui. Ah, parce que quand j'avais été en Allemagne, il n'y avait pas les limitations, et donc du coup, bon, après, notre bus était limité, et des mecs passaient, genre, ils étaient dans le bus, et on voyait des mecs passaient tout blindes, en mode, ah. Ouais. C'est très drôle. Il... Ah putain, mais pourquoi? Donne Marine, je suis choquée. Ah ouais, ça va. Ouais. Oui. Ok, je me suis chopé. Non, merci. Ok, je me suis chopé 3% de dégâts sur la remorque parce que l'autoroute est passée soudainement de 140 à 50 à l'heure. Logique. Bravo. Je suis partie me suicider. En fait, là, c'est moi qui fais de la merde. Oh, il joue bien le barde. Je disais qu'il jouait bien le barde et puis au moment où j'ai ça, il se suicide. C'est bien, hein. C'est triste. Je vais peut-être pouvoir faire un live qui dure moins d'une heure sur ce jeu pour une fois. Pourquoi? Parce qu'en général, les livraisons ça prend un temps fou. Mais non! Mais non! Je l'ai grab, elle a flash in dans mon grab et elle s'est pas fait grab. C'est dégueulasse. C'est génial parce que les gens qui jouent pas du tout à League of Legends, ils vont rien comprendre. Désolé, je vais me taire, voilà. Non, c'est pas ça, c'est juste que là, il y a des gens qui vont être en mode... Mais ceux qui comprendront, trouveront que c'est un mec. Ouais, mais si ça se trouve, il y en a un. Si ça se trouve, il y en a un qui aura parfaitement compris, qui viendra juste écrire un commentaire où tu sais pas jouer, c'est tout. T'es une sous-merde. Non, mais en fait, tu veux, genre...
Non. Casse-toi. Me tue pas. T'as pas le droit de tuer mes teammates. Je protégerai mes teammates. Parce que je suis... C'est un support. T'es une fille, quoi. C'est toi qui dis ça. Le mec qui met une ange. Ah, je mets pas ange, je mets une Anna, déjà, de base. Hein. C'est une fille aussi, hein. Un peu plus vieille. C'était quelque chose contre l'âge. Je suis pas gérontophile. Salut Nyan. Salut Nyan Val. Je crois qu'on peut gagner en fait. Eh bien écoute, gagne. Parce que... Oh, j'ai un de mes mates qui vient de se faire 3 personnes de leur team. Voilà. C'est passionnant. C'était beau. C'est incroyable. C'est magnifique. Voilà. Bon, attends. Je dois aller par où pour rejoindre ce putain de... Attends, il fallait que je fasse le tour par là? Au fait, du coup, Heroes of the Storm, c'est gratuit? Ouais, pourquoi? Oui. Oui. Ok. Bah, si je le prends, tu m'aideras à apprendre? C'est-à-dire que moi, la seule chose que je sais jouer, c'est Tracer, mais ouais, je peux t'apprendre. Je suis comme League of Legends, moi aussi, en fait, son nom. C'est le même jeu que League of Legends, mais avec les persos de Blizzard. Ouais, il y a aussi plus de maps, plus d'objectifs, plus d'intérêt. Mais des gens plus cons, par contre, ça, bon, on peut pas tout avoir. Alors, si tu trouvais tes teammates cons sur League of Legends, attends de voir sur Heroes. Je suis dégoûté quand je fais des bons engagés, genre sur quelqu'un qu'il faut, il y a personne qui suit. Ah ouais. Ah si, c'est bon. Bon, je crois que je viens de donner la victoire à ma team. C'est beau. Ça va les filles? Ouais, encore. D'ailleurs, c'est pas là, j'arrive un peu plus à la force, s'il te plaît. T'en fais pas. Bientôt, il va faire un trou à la place. Non, mais là, je vais prendre la masse hein, bientôt pour ouvrir cette porte. Encore 631 km à faire malgré le voyage en bateau. 3% de dégâts sur la remorque, par contre, ça me fait chier. Creuse. Elle est monstrueuse. Ça va, Nyan, sinon? Ouais. Ça va. Je viens de me réveiller à 13h. Ça, c'est tôt. C'est pas mon record. C'est tôt dans la matinée, on va dire. Je me suis déjà levé à 16h. Je me suis déjà levé à 17h, mais c'est parce que je m'étais couché à 11h le matin aussi. Ah, d'accord. Moi qui me trouvais lève tard en ce moment parce que je me lève à 11h. Je me lève à 10h tous les jours depuis que je suis au chômage, ok. Je n'ai aucune honte. Ça fait du bien, au moins. Bah, je gagne pas de thunes, mais au moins je dors. Voyons bon côté des choses. Au moins, tu peux faire plus de vidéos. Ouais, bon, en même temps, j'ai déjà des vidéos prévues jusqu'en février, là. Ouais, mais oui, je sors 2 vidéos par jour sur YouTube, et j'ai quand même des vidéos prévues jusqu'en février. Genre, tu joues à David May Cry? Moi, oui. C'est comment? Bah, réponse. C'est génial. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'adore ce jeu depuis que... Enfin, depuis la première fois que je l'ai vu, en fait. Oh, mais dis pas qu'on va perdre sur ça. Me dis pas que tu l'as découvert avec Résus. Suivant ta réponse, je serais forcé de te bannir, Faucheur. Non, je parle à Faucheur. Là, je suis en pleine cinématique, donc j'entends rien. Voilà, là, on a une vraie musique de FF10, une musique que tout le monde retient, parce que c'est une musique du début du jeu.
En fait, c'est ça, tout le monde retient la musique du début du jeu parce que personne n'a envie de se faire ce jeu en entier en général. J'arrive. Pas plus. Hein. Quoi? Après. Non mais il faut que je finisse ma partie d'abord. Mm-hmm. Ah c'est ça le jeu. Je veux pas me faire bannir. Ah c'est Guy. Non. J'ai loupé. C'est quoi le temps pour moi qui sort quasiment jamais de chez moi? Nerd, je suppose. Non, nerd, ça c'est intelligent. Moi je suis un no life. Ouais, voilà. En même temps, je sors le moins possible de chez moi aussi. Hein. Moi aussi. Avant, j'avais une excuse pour sortir, c'est que je fumais, mais depuis que j'ai arrêté de fumer. Bah, le boulot. Ah non, c'est vrai, je crois que t'en as plus. Bah, ouais. Mais je comprends pourquoi on perd. Pourquoi? Parce que j'ai arrêté de fumer? Parce qu'on a un AFK. Ah, d'accord. Enfin, si c'était parce que j'ai arrêté de fumer, j'aurais pas repris la clope pour autant. Ah. De toute façon, c'est des conneries la clope. Hein. Non, mais ça, c'est. Merci Captain Obvious. Vraiment. Ton intervention était nécessaire, je trouve. T'as vu ça? Ouais. Bon. On a perdu, du coup, je vais pouvoir aller manger. Ok. J'ai hâte de mourir. Alors, bon appât, toi. Merci. Ah, League of Legends. Oui, attends. Du coup, bye bye, à plus. À plus, bye, bon appétit. Plus. Merci. J'avais un peu du mal à croire la première fois que j'ai entendu que c'était effectivement une musique de FF10. Et salut Masque Blanc. C'est fini un peu brutalement d'ailleurs cette musique. Ouais bon. J'arrive quand même à me rappeler de certaines musiques de ce jeu. Il y a quand même des musiques qui ont réussi à marquer. Quand bien même j'y jouais vachement moins que FF9. Ça m'impressionne. J'ai tout perdu, laisse tomber. Oh là là. Non, attends. Sauver, charger une partie. Est-ce que j'ai une sauvegarde auto qui remontait il y a pas longtemps? Attends, 13h53 et 24 secondes. Ouais, vas-y, on prend cette sauvegarde. Oh, j'ai eu un peu 54% de. On va toujours vanter les FF pour leur super musique d'ambiance, c'est le cas. Ouais.
s'en est arrêté où du coup? Ah là, bah, nickel. Parfait. Et du coup, j'ai plus les dégâts, j'ai plus rien. Ouais, ça sera nickel. Ces bruits je crois que c'était moi. Ouais, ok. Ah bah là du coup on a arrêté avec les on a arrêté avec les musiques de FF, on est revenu sur de la trance, ok, ça me va aussi. De fou, j'ai pas nécessairement envie de faire du commentary, hein, juste de rouler, d'écouter la musique et voilà. Et c'est ce que je fais en ce moment. Ouais. Kevin. Ouais, on t'appelle. Oui. Oh merde, Yann s'appelle Kevin. Non. D'accord. Mon frère. D'accord. Tu lui transmettras mes condoléances. C'est pas un nom facile à porter, ça. Oh, j'ai rien contre les Kevin, hein. C'est juste que voilà, c'est des Kevin. Mmh. Bien évidemment, il s'agit d'une blague. Des fois, je me sens obligé de le préciser parce que vu la communauté, des fois, on va te prendre au sérieux. Ah, j'ai le générique de Sakura. Oui, le générique de Sakura chasseuse de cartes, hein, pour ceux qui se posent la question. Je sais pas ce que ça fout dans ma zik, mais voilà, c'est ce que j'écoute en ce moment.
Le livre de clous. En l'ouvrant, j'ai laissé échapper des cartes magiques dont les pouvoirs sont très dangereux. Il faut maintenant que je les récupère. C'est comme cela que je suis devenue chasseuse de cartes. J'adorais cette série. Ouais, j'aimais bien aussi à l'époque. Ah, oh, puis maintenant il y a le thème des Schtroumpfs de sur NES. Ok, d'accord. J'ai vraiment n'importe quoi en fait dans ma playlist. Salut Linard. Salut Linard. Salut Linard. Je fais que passer en deux clopes. En même temps, tu passes au moment où il y a le thème des Schtroumpfs sur NES qui passe, quand même. T'aurais pas pu tomber mieux. Ok, ce mec vient de s'envoyer un panneau. Mais ça va, tout le monde s'en fout. Ok, d'accord. On fait que passer. Très bien. Quand même. Moi, j'ai un nouveau mode de jeu Vivid sur Overwatch avec ce remix. Ouais. J'ose pas imaginer ce que ça donnerait, tiens. C'est beaucoup plus amusant quand on éteint la lumière. Je tue des espèces de rats démoniaques. Ouais, ok, non mais ta phrase sortir du contexte comme ça, c'est... Ah bah si, on est revenu sur les... sur le thème... sur l'OST de Final Fantasy X, ok, il y avait juste 2-3 musiques qui s'étaient glissées entre deux, je suppose. Ok. D'accord. Au moins ce que j'en dis, hein. Ça s'appelle le rire des défunts, cette musique. Elle est assez dérangeante, en fait. Il y a juste le... Comme je l'entends pas, il y a juste le nom qui me paraît dérangeant. Attends, si tu regardes le live et que t'es sur Discord, ouais. Je peux comprendre que t'aies pas le... les deux sons en même temps. Ouais. C'est dérangeant.
contre, j'ai aucune idée de où cette musique se trouve dans le jeu. J'y ai pas assez joué à FF10. Pourtant, j'ai bien aimé FF10. C'est FF10-2 que j'aime pas. Le passage du jeu avec cette musique est assez dérangeant aussi. J'ai aucune idée de quand c'est, en fait. Ils la font durer, hein, cette zig, putain. Attends. Si ma mémoire est bonne, c'est quand on est dans le manoir de l'autre tafiole pleine de veines dans la gueule. Ah oui, c'est possible. C'est possible. Je pourrais pas être 100% sûr, mais c'est possible. C'est largement possible, ouais. Ils l'ont fait durer combien de temps, ce putain de zik, là? Ah, d'accord, elle est bientôt finie. Tant mieux. Bordel. On en arrêterait de ce que je regarde dans ma playlist. Là, on a encore quelques musiques de Final Fantasy X. Ensuite, on arrive sur Bip Bip à ma chip. Coconut. Ensuite, toutes les musiques de Crypt of the Necrodancer. Et après, c'est un peu n'importe quoi, le reste de la playlist. En fait. Crypt of the Necrodancer est dans les finalistes des Steam Awards au niveau de la qualité son. Ouais. Putain. Après, il y a, je crois que c'était Cuphead aussi qui était. All Fall Down, All Night Long. Et après, c'est tout un tas de musique Nightcore. Nickel. Ah, tu parles de Seymour, là, c'est ça? Et cette musique-là s'appelle Le Meurtrier de mon père. Il avait un problème, Nobuo Uematsu, au moment où il a payé la musique de ce jeu. Sérieux? J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un sur le siège passager qui est en train de brandir un couteau sur ma gueule quand j'écoute ça. Wow. Effectivement, ce genre de truc, ce serait sympa, mais je suis sûr qu'il y a des fangames qui existent dans ce genre-là, Lina. On va juste les chercher, je suppose, et prier pour que la qualité soit bonne. L'idéal, ce serait que ce soit fait par Blizzard, mais ça, bon... Vu comment Blizzard, ils ont pas envie de faire un mode solo à Overwatch, alors qu'il y a tellement tous les éléments pour en faire un mode solo. C'est triste. Cette musique là, elle est pas rassurante du tout. Je sais pas s'il avait fumé Nobuo Uematsu quand il a fait ses musiques, mais voilà, hein, c'est waouh. Trash. Oh,
un centre hein, chez Zeke. Là, je me rappelais même pas de cette musique dans le jeu. Non, il y a trop longtemps que j'ai pas rejoué à FF10. Laisse tomber. C'est le prélude, mais sur un espèce de remix funky bizarre, je t'avoue. Cette musique, tu l'entends vraiment pas longtemps, c'est vraiment le tout début quand Titus va vers le stade. Ah ouais! En général, tu rushes un peu cette partie, hein. Tu la rush un peu cette partie, c'est le moment où tu signes des autographes et tout, et t'es en mode mais attends, qu'est-ce qui est passé, qu'est-ce qui s'est passé, c'est quoi ce, c'est qui ce merdeux dans mon jeu FF, avant de réaliser avec horreur que oui, c'est le personnage principal que tu vas contrôler tout le long du jeu. Joie. Mais si vous posez la question, je n'aime pas Tidus. Tidus, il peut sucer mes couilles pour ce que je veux dire, sérieusement. Non, littéralement, la première fois que j'ai joué à FF10, on a contrôlé Tidus et tout le long de l'intro où t'es en train de signer des autographes et tout, j'étais en mode, attends, non, c'est une blague, il est où le vrai perso principal du jeu? Avant de réaliser petit à petit avec horreur que je le contrôlais en ce moment même, le vrai perso principal du jeu. C'est déprimant. Je l'ai quand même fini le jeu. Mais je l'ai fini 2-3 fois, c'est tout. Le fait que je l'ai recommencé plus d'une fois, ça prouve quand même qu'il y a un peu de qualité. Mais bon, hein, je veux dire, contrairement à FF9 que j'ai recommencé et fini au moins 300 fois. Et que je vais probablement recommencer prochainement parce que j'ai de nouveau envie d'y jouer. Surtout que maintenant j'ai plus vraiment d'excuses vu que j'ai le jeu sur Steam. Et qu'en plus on peut cheater sur Steam, c'est ça qui est intéressant. Le vrai perso du principal du jeu, c'est Yuna. Titus, c'est juste un rêve qui est là pour aider Yuna à faire son pèlerinage. C'est vrai. Enfin, ça, c'était le scénario de FF10 jusqu'à que FF10-2 arrive et te dise que les rêves pouvaient devenir réalité. LOL. Je veux dire, moi, Titus, il pouvait rester mort, hein. Ça allait très bien pour moi. En fait, moi, j'ai poussé un soupir de soulagement quand Tidus, il a disparu. Oui, j'étais un enculé, et je l'assume. Enfin, cette mission de merde, j'ai fini. Mission de merde quoi. Putain. Final Fantasy X2 est un putain de crossover mal foutu, c'est clair. Non, parce que si tu regardes, Final Fantasy X-2 n'avait aucune raison d'exister. Final Fantasy X se terminait très bien, hein. Et d'ailleurs, Final Fantasy X, si tu restais jusqu'à la fin du générique, tu voyais Tidus qui ressortait de l'eau, donc tu te doutais qu'il était en vie, que Yuna l'a retrouvé, et pouf, ils étaient heureux.
Hein. Donc en gros, ils ont fait un jeu pour étoffer, pour avoir plus de 15 secondes de cinématique à la fin du 1. Je vois pas l'intérêt. Oui, le thème de Tidus c'est sympa. Après, je dis pas que les thèmes sont pas sympas. La musique est toujours faite par Nobuo Uematsu. D'ailleurs, c'est ça qui m'a d'ailleurs fait un petit peu détester encore un peu plus FF10-2. C'est que non seulement le jeu il est pourri, mais c'est que c'est même plus Nobuo Uematsu qui est à la compo. C'est un autre mec et Dieu que ça se ressent sur les zik. Elles sont pas mauvaises. Elles sont juste vachement moins bien. Bon, du coup, je dois aller où? Je dois aller à Kristiansand. Let's go. Non mais de toute façon, Nobuo Uematsu l'avait dit avant même qu'ils annoncent FF10-2 que FF10 serait son dernier FF, qu'il avait plus envie. Et le pire c'est que Square a quand même essayé de lui demander de faire les zik pour FF10-2. C'est dommage qu'il ait pas accepté parce que ça aurait été... Bah, il y aurait au moins eu des musiques sympas dans le jeu quoi. Je veux dire, les musiques de FF10-2 sont pas dégueulasses. Mais bon, c'est pas le genre de truc que t'écoutes quoi. J'ai la musique de FF9 et FF10, tu peux les mettre sur un lecteur MP3 pour les écouter, hein. Sérieusement, ça s'écoute. Les musiques de FF10-2, je connais personne qui les met sur un lecteur MP3 pour les écouter. Mais personne. Les gars, vous avez vu mon groupe à moi, je fais des putains de G-Metal. Vous voulez me faire faire une musique sur Final Fantasy qui pue l'amour, nian, fuck you. Après, le truc, c'est que Nobuo Uematsu, durant tout le long des FF qu'il a fait, il a un style hyper distinct. Tu reconnais tout de suite quand c'est sa musique. C'est FF10-2. Je savais même pas que Nobuo Uematsu était plus là, mais quand j'ai entendu la musique de combat, j'ai fait, attends. Il y a un truc qui va pas, là. Pourquoi ça sonne aussi pourri? Et en fait, j'ai découvert après. Bah, bon, moi j'ai gagné de la thune. Pas beaucoup plus que ce que j'avais à la base, mais bon, je suis pas à découvert au moins. Celle-là, je sais ce que c'est, cette zik. Je la connais, je la connais bien même, mais je sais plus d'où ça vient. Ça me dit sincèrement quelque chose, mais je sais plus quoi. Celle-là, par contre, elle pue la classe. Marrant parce qu'ils l'ont utilisé dans Final Fantasy X et Final Fantasy X-2. C'est-à-dire quand même que les mecs, ils ont fait FF10-2 sans Nobuo Uematsu, mais ils lui ont quand même demandé s'ils pouvaient reprendre cette zik-là dans leur jeu où il n'y avait pas Nobuo Uematsu. Et il a quand même dit oui. Il a quand même dit oui. Ah.
voir ce qu'il y a sur le marché du travail. On prend ça pour la prochaine fois, je pense. On va s'arrêter à l'intersection. On va s'arrêter à la prochaine intersection. Ou prochain feu rouge, je sais pas. L'un ou l'autre. Ah, on peut faire le trajet au pire. Ouais. On peut faire le trajet bateau au moins. Oui, tout le monde a pensé que c'était du Rammstein, hein, à la base. Mais cette musique-là, elle m'avait un peu choqué quand je l'avais entendue dans FF10. J'étais en mode, waouh, ça pue la classe, mais putain, ça change de d'habitude, hein, quand même. Non, là, je pourrais m'arrêter là. Ça s'entend que c'est de l'anglais japonais, clairement. Bon, on va quand même s'arrêter à la... Je vais quand même m'arrêter à l'intersection, parce que sinon je saurais pas où je suis. Some of you might be wondering, how exactly does one beat deep like a sheep? Take it away, Gabe! Throw your hands up, then point them to the floor! Here's what to do, now get down on all fours! Just bounce around and dance on me! Go crazy now, when beat deep like sheep! Tomska qui a fait cette musique, si c'est totalement Tomska. Si cette musique là avait été dans FF10 2, franchement je me serais éclaté, hein, s'il y avait eu bip bip à ma chip dans FF10 2, sérieusement. Ouais. Bon, je pense qu'en fait je vais aller jusqu'à la remorque, hein, vu comment je suis parti. Il me reste 200 km à faire, donc bon, je peux aller jusqu'à la remorque. The coconut nut is a giant nut. If you eat too much, you get very fat now. The coconut nut is a big, big nut. But this delicious nut is not a nut. It's the cocoa fruit. It's the cocoa fruit. Of the cocoa tree. Of the cocoa tree.
From the Cocoa Palm family, there are so many uses of the coconut tree. You can build a bigger house for the family. All you need is to find the coconut man. If he cuts the tree, he gets the fruits free. It's the cocoa fruit. It's the cocoa fruit. From the cocoa palm family. The coconut bark for the kitchen floor. If you save some of it, you can build a door now. The coconut trunk, do not throw this. J'aime bien parce que ça dit toujours Final Fantasy X-2 soundtrack. Je vous jure que c'est pas la soundtrack de Final Fantasy X-2, ça. Laissez tomber. On n'a rien à voir. If you pray it would. Now the coconut root, to tell you the truth, you can throw it or use it as firewood. The coconut leaves, good shade it gives, for the roof, for the walls, up against the eaves. Now the coconut fruit, say my relatives, make good cannonballs up against the thieves. It's the cocoa fruit. It's the cocoa fruit. On the cocoa tree. From the coconut family. The coconut nut is a giant nut. If you eat too much, you get very fat. Now the coconut nut is a big, big nut. But this delicious nut is not a nut. Coconut nut is a giant nut. If you eat too much, you get very fat. Now the coconut nut is a big, big nut. But this delicious nut is not a nut. It's the cocoa fruit. It's the cocoa fruit. Of the cocoa tree. Of the cocoa. Putain, mais avance avec ta caisse. Pourquoi on roule à 45 à l'heure? It's the cocoa fruit. Non mais... Of the cocoa tree. Of the cocoa fruit. Avance. Avance ou je te rentre dans le cul. It's the cocoa. Putain, mais c'est pas vrai. C'est bon? Faire foutre! From the cocoa palm, la 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 la. Eh bien, plus Linard. Plus Linard. Plus Linard. Voilà, là on a des zik ultra classe par contre. Les musiques de Crypt of the Necrodancer. Et ça, je sais que je peux les laisser et que j'ai pas besoin de parler par-dessus parce que ces musiques-là ne provoquent pas de copyright strike. Et c'est là que contre toute attente, ça se... Ce serait des complètement con parce que le mec il se prive de toutes les vidéos sur son jeu. Il se prive de toute la pub gratuite.
Donc voilà. Voilà les gens, cette vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un j'aime, commenter, vous abonner, la partager sur vos réseaux sociaux tels que Facebook et Twitter, à la mettre en favori. Tout ça va faire un plaisir, pour sinon rejoindre sur notre serveur Discord qui est dans la description de la vidéo. Voilà, sur ce, moi je crois que je vous ai tout dit, donc c'était Nazmond, Frochor et Nianval. Bye les gens. Bye. Voilà. Pour vous servir et bye. Vous puez tous la merde. Allez vous faire foutre. Vous êtes du caca. Ah oh, super. Encore un truc de la lance d'Adoun qui est en train de partir en couille. C'est pas grave.